En termes d'avancement des travaux, nous avons finalisé l'ensemble des fondations profondes, barrettes et pieux, avec leur recépage qui est aujourd'hui finalisé. Nous avons entamé les travaux de radier, du socle et de la tour. Pour le socle, 80% du béton de propreté a été finalisé, 30% du radier du socle a été coulé. Et aujourd'hui, alors que les ferraillages du radier bas de la tour est quasi finalisé d'ici ce soir, dans les prochaines 48 heures, nous allons lancer le coulage du radier bas de la tour. Pour la réalisation de ce radier qui fait une hauteur de 3,50 m et qui repose sur 46 barrettes qui sont elles-mêmes fondées à environ 60 mètres, ce qui représente à peu près pour chaque barrette un petit immeuble, donc pour se donner l'idée de l'importance du volume de béton qui est dans les fondations du bâtiment. Pour ce faire, donc, il y a des mesures un peu spéciales qui ont été mises en œuvre de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de coulage. Le béton, il est assez spécial pour cette tour Mohamed VI. C'est 35-40 avec un dosage de 400 kg par mètre cube, avec un autoplaçant. Et c'est une formule qui a été bien suivie par le contrôle LP2E et des experts de l'extérieur et qui a pris beaucoup de temps pour qu'on dédie exactement la formule. Ça a pris des mois avec plusieurs réunions qui se sont déroulées et beaucoup d'essais, beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on assiste au coulage du premier radier bas de la tour. C'est un coulage qui s'étale sur une superficie de 1100 m². Cet ouvrage-là servira de base pour la tour. Pour ce coulage, on a mobilisé plus de 5 centrales, 4 fonctionnelles et une de secours. Et le coulage sera terminé demain. Le radio bas va supporter le noyau de la tour et le radio haut supporte la charpente métallique et la façade de la rue. Le radio, il a une épaisseur moyenne de 3,50 m, ce qui est un ouvrage vraiment spécial à l'échelle nationale. Il comporte une quantité totale d'acier de 2000 tonnes radio bas et 2000 tonnes d'acier pour le radio haut et une quantité globale de béton d'environ 14 000 m3 de béton pour tout le radio, 4 000 pour le radio bas et 10 000 m3 pour le radio haut. Il y a une préparation qui est faite à l'amont, avec une mobilisation des silos de ciment qui viennent à partir de la ville de Oujda, avec un nombre de 40 silos de ciment. Et toute une logistique de bétonnage en termes de nombre de pompes à béton, c'est à la 6 pompes à béton qui seront installées sur le chantier. Toute une mobilisation de la région tout autour du chantier pour pouvoir fluidifier les accès de béton. Aujourd'hui, on est en train de couler le radier haut, la fondation de la tour. Ce radier haut, il est composé de 4 parties. Les 3 autres parties vont être coulées d'ici la fin du mois de février pour ainsi commencer les élévations du noyau central, qui est vraiment la base de tout ce qui est structure qui va être autour pour voir réellement immerger la structure globale du projet de la tour Mohamed VI.